tous, hein. Je suis Valérie Paris, hein, la maman de Paulin. C'est lui sur cette photo. Hein. Il a fait un très beau dessin pour maman. Il est beau, hein. Il a un sacré coup de crayon. Hein. Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit défi. Hein. Parce que mes amis me critiquent, ils disent que je vis dans un monde de luxure, hein, que je ne peux pas comprendre la vie des gens normaux. Hein. Et donc aujourd'hui, je vais me glisser dans la peau d'un smicard. Hein. Je vais me rendre d'un point A à un point B en allant distribuer mes CV un peu partout en espérant décrocher au moins un CDI, hein, ou un entretien, je ne sais pas. Voilà, juste pour voir comment vivent les gens qui n'ont pas d'argent. Allez, on y va. Alors voilà, c'est la première fois de ma vie que je vais devoir prendre le métro. Hein. Je suis très stressé. Hein. J'espère qu'il n'y a pas trop de... et de... ding dong. Non, je rigole. En tout cas, ça a l'air très sale. On m'en a dit que du mal. Hein. Allez, on y va. Oh, l'odeur, c'est horrible. En fait, ça me fait penser à un mélange d'épices et de pisse. Je respire enfin. C'était horrible, j'ai cru que j'allais mourir. C'est terminé le métro, terminé la vie de clochard. Moi je suis une personne très généreuse, je donne aux gens, aux plus démunis, aux pauvres. D'ailleurs si je pouvais, je leur donnerais tout mon argent. Excusez-moi, vous auriez pas un bal à dépanner parce que ça fait deux jours que je traîne la dalle. J'en peux plus, filez-moi un truc si vous voulez. Non, vous touchez pas. Allez-vous-en. Vous êtes sale. Allez-vous-en, je ne veux pas vous voir. Normalement, je donne à tout le monde. Mais lui était très sale. Il y a un minimum de propreté à avoir. Qu'il aille se laver dans la rivière de Paris, je sais pas, mais faut faire quelque chose, ça pue. J'ai acheté des gels antibactériens parce que le mien est à sec. Et cette ville est très sale, donc j'en ai pris plein. Bon, allez, faut qu'on continue. Oh, ne m'aidez pas surtout. Ça va se ramasser tout seul peut-être. Alors maintenant je vais devoir aller déposer les CV. Du coup je sais pas du tout comment faire parce que je n'ai jamais fait ça. Moi je n'ai jamais travaillé. Donc ça va être l'aventure. On va bien s'amuser. C'est une journée d'aventure. Oui, je sais que j'avais dit que je prenais que les transports en commun. Mais là, je ne peux plus, c'est trop pour moi. Du coup, j'ai pris un taxi. Parce qu'ici, au moins... Oh, ça sent bon, ça sent le neuf. Je me sens propre ici. Allez-y, monsieur. Il n'est pas maghrébin. De la journée, la tour Eiffel. Je suis très contente parce que j'ai une journée très difficile, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui et du coup je mérite beaucoup cette récompense. On peut dire que la journée se termine très bien pour le coup. Il est beau ton sac, y'a quoi dedans? Ah, il est beau, oui. Ah, tu m'étonnes. Non. Mais non, ça pue. Doucement, hey. Il est pas bien celui-là. Mon sac. C'est pas grave de toute façon parce que les voleurs ramènent toujours le butin là où ils l'ont trouvé. Je vais prier pour que mon sac revienne. Seigneur, ramène mon sac s'il te plaît.
Bon, bah je pense qu'il ne va pas revenir. Peut-être qu'il avait besoin de ce sac, hein, qu'il était en manque d'argent. Du coup, j'ai fait une bonne action. Je vais rentrer maintenant, hein. Il fait froid. Bon, au revoir. J'ai pas de ticket, j'ai plus d'argent pour en racheter. Alors j'ai pas le choix, je vais devoir frauder. Oh.